Salut les épicuriens. Alors aujourd'hui, changement de décor. Je suis pas tout à fait dans un bar, je suis en un atelier cocktail. Je suis avec Johan. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais même s'il passe pas mal dans la presse, si c'est un rédacteur chevronné sur Rum Porter, y en a peut-être parmi vous qui le connaissent pas encore. Donc je vais demander, comme d'habitude, la première question. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, bonjour Régis, bienvenue à l'atelier cocktailier à Rennes. Moi c'est Johan de Merseman, donc je travaille dans l'univers du cocktail depuis à peu près une quinzaine d'années. Je me considère un peu comme un autodidacte parce que j'ai commencé le bar relativement tard pour produire des formations. Mention complémentaire barman, c'est 25 ans normalement la limite d'âge et moi j'avais 24 ans. Donc en fait, j'ai commencé quand même assez tard. Là, j'ai 40 ans, donc ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le métier. C'est grâce à cette mention complémentaire barman que j'ai découvert ma passion pour les cocktails et que je suis naturellement parti après à Londres, qui est vraiment la référence au niveau mondial. C'est toujours le cas aujourd'hui. On dit l'école londonienne, c'est vraiment la meilleure école du bar au monde. Et ce sont mes mentors de l'époque qui m'ont justement conseillé pour pouvoir pratiquer les cocktails que je venais d'apprendre lors de mon cursus. Et puis, Londres a été une vraie révélation. À cette époque-là, au niveau international, il y a en fait une Bible rédigée par Simon Difford, le Difford's Guide, qui depuis a été créé, traduit au niveau national en France. C'est, vous savez, la Bible des cocktails. Il y a 3000 ou 4000 recettes, donc c'est un peu l'encyclopédie du cocktail. Mais nous, on n'a pas de guide Michelin dans le domaine du cocktail. Mais ce guide est vraiment une référence. Et référence, c'est ce qu'on appelle les meilleurs bars à cocktail du monde, les world class bars. Et donc, à cette époque, en France, il y en a 4. Et à Londres, il y en a 50. C'est pour montrer l'influence anglaise sur la culture du cocktail. Et donc Londres a été pour moi une révélation. C'est là que je me suis construit, c'est là que j'ai appris la pratique du bar et du cocktail pendant 2 ans dans un bar qui s'appelle aujourd'hui le Zina Cocktail Bar. À l'époque, c'était le Hack Bar, qui était vraiment un des meilleurs bars à cocktail londoniens et donc du monde, avec une vraie culture du cocktail, puisque Douglas Ancra, qui nous a quittés malheureusement récemment, qui est entre autres le créateur du Pornstar Martini, un des cocktails les plus vendus et les plus consommés dans le monde actuellement. Et c'est lui qui un peu nous a mis la main à la pâte pour beaucoup d'établissements à Londres, le Lab, etc. Et donc voilà, la culture anglaise, la culture indienne dans les cocktails, ce qui m'a permis de me faire un nom sur la scène cocktail internationale à l'époque, puisque Londres étant la référence, lorsque vous participez à un concours de cocktails national, à une finale nationale à Londres, c'est une finale internationale. Il y a des Français, il y a des Italiens, il y a des Japonais, il y a de tous les pays, donc c'est vraiment une des villes les plus cosmopolites au monde, mais ça se traduit également dans l'approche du cocktail et de la mixologie. Donc j'ai pu avoir mes premières récompenses à Londres, et c'est ce qui nous a permis rapidement d'être intronisés dans la culture cocktail à Londres, et de rencontrer, comme tu en parles dans ta vidéo, les acteurs les plus influents de l'époque. Et c'est là qu'on a créé le blog Culture Bar avec Johan Lazaret, qui était un peu mon collègue, mon binôme, et qui est mon meilleur ami barman, toujours aujourd'hui d'ailleurs, je le salue, qui vit en Suisse. Et c'est vrai que ce blog avait pour but... Si tu nous regardes... Yo. Ce blog avait pour but de partager la culture internationale du cocktail. Et donc, c'était issu de visites, de distilleries, de compétitions de cocktails, de salons professionnels, de dégustations. Et donc, à Londres, il n'y a pas une semaine sans un de ces événements. Et c'était assez riche. Et à l'époque, c'était plutôt avant-gardiste. Et Culture Bar a été un blog qui nous a permis de commencer à écrire. D'où après, la naissance un petit peu du livre. Donc, en fait... Il existe toujours. Et Londres... Je mettrai l'adresse dans la description. C'est ça, il existe toujours. Et Londres est un peu le au cœur de mon expérience parce qu'on gagne
en maturité professionnelle, en réseau. Et ça, c'est très important au niveau du cocktail sur le reste du monde après. Puisqu'à cette époque-là, à Londres, on est déjà dans ce qu'on appelle la renaissance du cocktail, ce que j'appelle moi le troisième âge d'or des cocktails. Et en fait, en France, on est aux prémices. Ça veut dire qu'en France, on est au début de la renaissance du cocktail. Alors qu'à Londres, elle est déjà en marche depuis quasiment 10 ans à ce moment-là. C'est pour vous dire un petit peu ce que ça a pu nous apporter. Et ce qui a été très intéressant, c'est que lorsque je suis rentré en France en 2010, j'avais acquis mon expérience à Londres et j'avais besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau projet. Et lors d'une finale internationale à laquelle je participais, donc à Deauville, d'ailleurs, j'en profite pour dire que le Kiss from Normandie, un cocktail de mon livre, la Normandie fait un peu partie de mon histoire, et le Calvados notamment. De mon histoire, pourquoi? Parce que ce cocktail et ce concours a changé ma carrière. En 2010, donc je gagne le concours à Lyon, j'arrive à la finale internationale à Deauville, et là je rencontre Louis Boeck, mon mentor, qui est en retraite depuis plusieurs années, et qui en fait, moi je connaissais que les Anglais, hein, c'était un concours international, et puis voilà. Et puis là, je vois mon ancien professeur. Ah bonjour Johan, qu'est-ce que tu fais de beau? Lui qui enseignait là où moi j'avais appris, à Rennes. En mention complémentaire barman quelques années avant. Et donc c'est là que Louis m'a dit, voilà, on a un nouveau projet. En 2010, on va créer une nouvelle formation qui s'appelle le CQP Barman Monde de la Nuit. Et donc aujourd'hui, il en existe 41 en France. Et nous avons créé la première. Et en fait, le projet du livre est né par rapport à cette nouvelle formation. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai eu la responsabilité de créer cette formation, alors tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu viens faire à Rennes? Pourquoi tu n'es pas à Paris? Pourquoi tu n'es pas ailleurs? Et j'ai même refusé des postes au Ritz ou ailleurs pour venir faire cette formation. C'est une question que je me suis posée. Ah, complètement. Et tout le monde se disait, mais pourquoi il est arrivé là? Et au départ, on ne comprenait pas pourquoi. Il a fallu attendre 2-3 ans quand on a vu la renaissance du cocktail en France, l'émergence de nouvelles techniques, de nouveaux barman qui, pour la plupart, sortaient de nos formations, puisqu'à l'époque, il n'y avait aucun support actualisé en français qui existait sur ce que je venais d'apprendre à Londres. Des techniques assez avant-gardistes, des cocktails comme le Bramble, le Espresso Martini, n'étaient pas du tout connus en France comme ça l'est aujourd'hui. Les Mai Tai, etc. Et donc, c'est ce que nous, on apprenait en fait aux élèves. Et rapidement, les élèves ont fait le bonheur des meilleurs bars à cocktails français, que ce soit à Paris, à Lyon, à Montpellier. Et moi, ça m'a vraiment construit pendant 5 ans d'être formateur responsable à la faculté des métiers, où je formais plusieurs centaines d'élèves justement que j'ai pu former. Et ça a été grâce à eux que le livre est né. Puisqu'on s'est aperçu que il n'y avait pas d'ouvrage de référence. Alors il y en avait de très bons, hein, et je cite le Larousse des cocktails de Fernando Castellone, qui est vraiment un ouvrage de référence. Il y a eu aussi le livre de Julien Esco, Art Cocktail. C'est des ouvrages d'ailleurs que j'ai offerts à mes élèves. On a travaillé sur ces ouvrages. Et puis rapidement, j'ai commencé à écrire dès 2010. Et ça, souvent, on ne le sait pas, mais le livre a mis 7 ans avant de paraître. La genèse du livre, elle était déjà rédigée. Mais il a fallu que je quitte la faculté des métiers pour que ce projet se concrétise. En partie grâce à Alexandre Vintier, que je salue et qui est le rédacteur en chef de Rum Porter et un des plus grands spécialistes au monde des spiritueux que je puisse connaître. Je suis d'accord. Et notamment dans le rhum, et auteur de plusieurs ouvrages. Et j'étais en fait en 2015 nominé pour la première fois, alors dans le bar, comme dans beaucoup de métiers, il y a des awards. Et puis une qualité qu'on oubliait souvent dans le bar, c'est le formateur, le professeur. Et cette année-là, ils avaient enfin pensé à nous. Et donc il y avait l'award du professeur de l'année. Et donc sur les 180 professeurs de France, on était 5 en fait à avoir été nominés. Et cette. Lors de la cérémonie à Paris, j'ai annoncé publiquement que j'allais en fait me concentrer sur un nouveau projet, la rédaction d'un ouvrage. Et là, dès le lendemain, Alexandre Vintier m'a envoyé un message et m'a dit « Écoute Johan, si ça t'intéresse, je peux te mettre en relation avec mon éditrice. » Dans la foulée, j'ai rencontré Ronit Toubiana, mon éditrice à Paris, qui en fait a mis un an avant de comprendre vraiment mon projet, mon univers, et de valider
ce projet. Et en 2017, j'ai signé un contrat avec la Maison Dunod pour la rédaction de l'ouvrage Mon cours de cocktail, qui m'a pris un an de rédaction quotidienne. Et ça a été un an de ma vie où j'ai tout arrêté. J'avais besoin d'être dans ma bulle. Et en fait, j'ai même arrêté mon entreprise à cette époque-là, puisque là, j'ai la SAS Cocktailier, mais j'ai été 5 ans avant auto-entrepreneur avec Culture Bar, justement. C'était le nom de la société. Et puis voilà, et en fait, en 2018, nouvelle aventure, nouveau départ, nouveau souffle, nouveau projet. J'ai retrouvé, à la parution de l'ouvrage, l'énergie que j'avais quand je suis revenu de Londres. Pour moi, c'était quelque chose de grand de pouvoir rédiger ce livre et de le promouvoir après. Donc je m'étais dit, mon but, c'est pas de sortir 10 livres. Si j'en sors un, par contre, il faut qu'ensuite j'aille le défendre, il faut que j'aille le présenter. Et il faut que quelque part, ce livre devienne un classique, quelque chose qui doit rester et qui doit apprendre aux jeunes barman comment on va appréhender le cocktail. C'était vraiment ça, un petit peu ma philosophie, de pouvoir ne pas sortir beaucoup de livres, mais d'en avoir un qui puisse rester. Sacré défi. Ouais, sacré défi. Et en fait, cette année-là, création de la SAS Cocktailier, j'avais pas l'atelier à cette époque-là, parution de l'ouvrage, c'était nouveau pour moi, ça a pu me permettre d'ouvrir l'art de la mixologie au plus grand nombre, puisque le monde du cocktail est quand même un petit monde. C'est assez spécifique, hein, cette spécialité. Et du coup, finalement, ça restait assez inaccessible jusqu'à il y a quelques années où on a eu la démocratisation du cocktail. Et à travers justement l'ouvrage, ça m'a permis d'aller le présenter chez des libraires, dans des salons qui n'avaient rien à voir avec le cocktail. C'est comme tu le dis dans ton ouvrage, ça s'apparente à du compagnonnage. C'est vraiment un métier qu'on apprend sur le tas, qu'on apprend avec des personnes qui sont dedans chaque jour, un monde de la nuit en plus. Oui, non mais totalement, totalement. Donc effectivement, ça paraît quand même inaccessible. Et puis c'est quand ça. On voit le gap, parce que moi c'est ça qui me choque le plus, quand tu vas dans un restaurant et puis qu'on te sert un truc fait à la va-vite, presque dégueulasse en fait. Oui. Non, mais ça, c'est sûr qu'il y a toute une formation au préalable à avoir. Et bien souvent, les meilleurs barman aussi ont été accompagnés par un mentor. Et ça, c'est important pour les jeunes barman aussi qui se lancent. On est tous passés par là. Et puis, c'est vrai qu'avec l'ouvrage, ça a été vraiment très intéressant parce que quand j'allais à la rencontre des gens, on me disait, mais on voit des chefs cuisiniers, on voit des chefs pâtissiers, mais on ne voit pas de chefs de bar venir parler du cocktail. Alors, rapidement, j'ai eu la chance d'être contacté par un certain nombre de médias, de célébrités, etc. Alors, c'est vrai qu'on a des références assez importantes parce qu'il y a eu beaucoup de compétitions au niveau national et international que j'ai remportées, que mes élèves ont remportées, que ce soit en tant que barman, en tant que formateur ou maintenant en tant qu'auteur. Et c'est ce qui nous a permis de parler du cocktail au plus grand nombre. Et le livre a rendu plus crédible notre discours. Et en fait, on écrit un livre, on est tout de suite beaucoup plus crédible. Oui, puis en plus, ça, Alexandre Vintier me l'avait dit, mais c'est très rare d'avoir un barman qui écrit un livre. En fait, dans l'histoire, il y en a peu. Souvent, ce sont des passionnés, des amateurs comme toi, des journalistes, qui finalement vont devenir des vrais acteurs dans le domaine du spiritueux ou du cocktail, parce que j'ai envie de dire, ils s'y sont passionnés et quelque part, ils l'ont expérimenté beaucoup plus que parfois que certains qui sont derrière le bar, parce qu'ils vont vraiment au bout des choses sur des dégustations comparatives, comme je fais sur les cocktails. À chaque issue de leçon de mon livre, il y a des exercices théoriques et pratiques, pas spécialement pour dire que celui-là, il est meilleur qu'un autre, mais c'est pour apprendre et comprendre. Et c'est toute la particularité de l'ouvrage. Et en fait, pour finir, c'est vrai que les concours, en général, ont toujours fait partie de ma carrière. Ça m'a permis d'apprendre et de créer, de rencontrer et de partager et de se jauger. Voilà, il y a plusieurs aspects, mais c'est surtout le partage. Et j'ai voulu faire connaître à mes élèves ces mêmes émotions du voyage, de création, de sortir de sa zone de confort pour se retrouver autour d'un flacon ou d'un produit ou d'une personne et de créer. Et ce qui est marrant, c'est que quand l'ouvrage est paru, j'avais pas du tout
conscience de ce que ça allait générer en fait derrière. Et mon éditeur, un jour, quelques mois après la parution de l'ouvrage, il m'envoie un mail et il me dit, ben voilà, Johan, bon, symboliquement, tu viens de remporter un prix et donc l'ouvrage a été élu le meilleur livre en France cette année et donc on t'a fait participer à une compétition internationale qui s'appelle le Gourmand World Cookbook Award et qui est en fait l'unique compétition mondiale pour les auteurs dans le domaine du culinaire et du liquide. Donc en fait il y a 25 catégories dans le liquide. Le whisky, le rhum, le gin, le saké, etc. Et cocktail. Et donc, dans cette catégorie cocktail en France, eh ben, bah moi, c'était super pour moi, quoi. C'était un nouveau prix. Et donc, voilà. Et l'éditeur me dit, bah voilà, tu es qualifié pour aller représenter la France au championnat du monde à Macao, en Chine, en 2019. Et donc, bah en fait… C'est la petite étiquette. C'est la petite étiquette, là. Voilà, c'est ça. Donc, un peu pour l'histoire… comprendre l'atelier, comment il est né. En fait, en 2019, on gagne ce premier prix mondial qui a été un peu la concrétisation et la reconnaissance ultime après 15 ans de travail. Ça a été la plus belle compétition qu'on a pu remporter. Et c'est cette compétition qui m'a fait aller plus loin et qui m'a dit, voilà, là, je suis allé voir mon comptable et j'ai dit, maintenant, je vais ouvrir ma boutique, mon établissement pour partager l'art de la mixologie aux amateurs. Après la vidéo que j'ai faite sur ton livre, j'ai eu pas mal d'amateurs qui ont dit qu'ils allaient acheter ton livre. Oui. Est-ce que je t'ai un petit peu aidé à devenir à avoir un best-seller? J'aimerais, bah déjà, c'est un petit peu la question comptable, on a un peu parlé. Est-ce que ton livre, quel est le succès de ton livre en termes de chiffres? Bah en fait, il faut savoir que pour un livre de cocktail, on n'est pas sur des livres de cuisine, comme je le disais. On est vraiment sur quelque chose d'assez rare quand même. Lorsque moi, le livre en fait est paru, on a eu un tirage à 8000, ce qui en fait est le maximum. C'est pas mal. Pour en fait un auteur dans ce domaine-là, généralement, alors ça on ne le sait pas souvent, mais généralement, les livres de cocktail qui sortent, maximum, ils vont en vendre peut-être 2000 et encore, bien souvent après ça ne va pas plus loin. Et là en fait, sur l'ouvrage, les autres livres qui se vendent bien, on va dire il y a celui du Larousse des cocktails, Fernando Castellone, qui est toujours une référence depuis 15 ans, qui est vraiment le livre français classique. Et on a la Bible des cocktails par Simon Difford, qui a été traduit, qui est un peu l'encyclopédie du cocktail. Et puis, derrière, il y a le mien. Et là, ce qui est fou, c'est que on a eu, si vous voulez, en 2020, on a eu en fait un nouveau prix sur lequel, bah, en fait, on n'avait pas du tout imaginé. Je vous parlais du Gourmand World Cookbook Award qu'on a eu, qui forcément ouvre des portes à l'international. Et donc, grâce à ce titre, j'ai eu la bonne nouvelle l'an dernier de recevoir un courrier de mon éditeur. Alors je l'annonce un petit peu en exclu parce que c'est pas encore en communication sur les réseaux, mais l'ouvrage va paraître en 2023. Il est en cours de traduction chinoise. Et ça, pour un français, c'est quand même assez dingue. Ah oui, c'est assez dingue. Un livre généralement, on passe plutôt par l'anglais. Sur le cocktail. Et donc, je me dis, waouh, je m'attendais plus à ça. Et effectivement, là, j'ai eu l'éditeur il y a quelques jours au téléphone. La traduction est terminée. Ils vont nous envoyer justement, une relecture et puis surtout une validation de la couverture. Et donc, l'an dernier, le Gourmand World Cookbook Award existe depuis 25 ans. Et donc, en fait, tous les ans, au niveau national et international, ils vont récompenser le meilleur ouvrage dans sa catégorie. Le nôtre, c'est Best Cocktail Book, hein, c'est le diplôme qu'on voit derrière, là, donc 2019. Et en 2020, eh bien, il y avait les 25 ans de cette compétition. Et si vous voulez, il y a eu les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, les 25 ans. Et eux, ce qu'ils prennent, c'est qu'ils prennent tous ceux qui ont été en fait champions du monde et ils vont élire Best of the Best. Et donc, le meilleur du meilleur. Et nous, au début, on ne comprenait pas trop ce que ça signifiait. Et finalement, l'année dernière, on était invité. Ça n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid. Et cette année, ça a lieu. Et ça a lieu la semaine prochaine,
à Paris. Il y a 190 pays, il y a une cérémonie et il y a tous les auteurs qui ont été champions du monde. Et nous, on a été élus meilleur livre de cocktail des 25 dernières années. Et la semaine prochaine, je vais à Paris avec mon équipe et mon éditeur pour en fait pour être récompensé. Et ça, pour nous, c'est énorme parce que ça va apporter probablement à l'avenir d'autres traductions. Ouais. Et quelque part, le côté classique de ce que moi j'aurais rêvé quand je rédigeais l'ouvrage, c'est en train de se passer en fait. Quoi. Le livre, on continue de le défendre et même nous, on continue de le découvrir. Et moi, je l'ai en fait toutes les semaines. Et toutes les semaines, en fait, selon la saison, selon le moment, selon les personnes, il m'apporte quelque chose. Et il apporte quelque chose aux écoles de bar ou aux amateurs qui veulent vraiment se lancer. Donc, voilà un petit peu par rapport au parcours, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'a généré le livre ? Ce qu'il a généré, c'est en fait une certaine légitimité par rapport à tout ce qu'on avait déjà pu obtenir en récompense. Le livre a été un petit peu... La concrétisation et la reconnaissance au plus grand nombre pour être légitime et pour être sollicité en tant qu'expert pour un certain nombre de projets. Voilà, c'est dans notre entreprise que ça nous apporte plus que financièrement autour du livre. Mais c'est vraiment dans nos entreprises que ça génère des opportunités. Il a été édité à quel t'as dépassé les 10 000 ? Oui. Ouais, t'es best-seller alors. Octobre 2018, et là, on a souffert de la période du Covid, parce qu'il faut savoir qu'un ouvrage, c'est surtout octobre, novembre, décembre qu'il a vraiment un peu plus de succès. C'est d'ailleurs pour ça que les parutions sont toujours sur cette période de fête, parce que ça permet un lancement et un regard aussi, une communication importante sur le livre. Et voilà, on a un pas livre mal à offrir, hein, si vous avez encore des idées de cadeaux pour exactement. Noël. C'est ça. Et c'est puis un dans très, le sapin, bon ça fait beau, voilà. Ouais. Ça fait ouais, joli. C'est aux bonnes couleurs. Et puis voilà. Donc ouais, non, on est vraiment satisfait. Et puis l'éditeur aussi. Et donc voilà, il y a encore. Là en plus, on reprend les dédicaces, ce qu'on avait laissé depuis 2 ans. Donc c'est vachement agréable. Et puis c'est toujours sous forme de présentation. Un peu comme dans le livre, en fait. C'est un cours de cocktail qu'on vient faire dans la librairie ou dans une école. Voilà. J'ai oublié mon exemplaire, j'aurais pas ma dédicace. en fait, tu as dit que tu voulais surtout te concentrer sur ce livre-là. Oui. Donc pour l'instant, je suppose qu'il n'y a pas de projet d'autres projets d'écriture. Alors il y a deux projets d'écriture dans le comment dire. Il y a deux projets d'écriture. Il y en a un qui peut-être aboutira un jour autour du rhum. Voilà. Voilà. Et puis surtout, c'est plutôt sur cet ouvrage qui pourrait y avoir une révision. Je ne vais pas dire un mon cours de cocktail 2, mais on doit vivre avec notre temps, avec... les cocktails doivent être dans l'air du temps et si un jour on doit peut-être écrire à nouveau, ça pourrait être par rapport à cet ouvrage en fait. D'accord. Voilà, exactement. Donc tu as monté cet atelier cocktail à Rennes, ouais. Ça a l'air de bien marcher, oui. Je suppose. Oui. Tu ne travailles plus dans les bars ? Alors en fait, moi j'ai été barman, bartender entre 2005 et 2010. Mmh. Voilà, donc j'ai évolué vraiment quand j'étais à Londres, où j'ai été bartender. Ensuite, j'ai été bar manager. Mon premier poste de responsable, je l'ai eu à Londres. J'ai commencé à former des barman à Londres. J'ai commencé à faire des masterclass pour des marques à Londres. Et je revenais souvent à Londres quand j'ai quitté Londres pour former des barman. Et donc, naturellement, après, je suis passé dans la formation. Donc, j'ai été bartender, formateur, et puis ensuite auteur, et puis ensuite entrepreneur. Donc là, c'est vrai que ça fait depuis
10 ans que je suis entrepreneur, donc je suis en société. Et donc, moi, j'accompagne essentiellement les marques partenaires avec lesquelles je travaille pour des lancements de produits, pour des créations de cocktails, pour du consulting, pour des concours de cocktails. J'organise beaucoup de concours de cocktails, donc je suis souvent aussi mentor pour des concours de cocktails. Et donc, je suis à l'atelier où j'accueille des professionnels. Donc, je passe mon temps à former des professionnels. Avec une particularité, c'est que tous les jeudis soirs, ici, on accueille des particuliers à qui on offre des cours de mixologie. Et donc, tous les jeudis soirs, les gens viennent apprendre la mixologie à travers le livre, comme un cours de cuisine, mais version cocktail. Alors, c'est une question qu'on va détailler, mais vous voyez que si vous avez envie d'apprendre un petit peu plus avant comment faire du cocktail, vous pouvez venir à l'atelier le jeudi. C'est ça, exactement. On a en fait sur notre site cocktailier.bzh, on a en fait justement le détail de nos cours. On en a deux qu'on propose. Et puis c'est des moments assez privilégiés, on va dire, pour ceux qui viennent et pour nous aussi. Avec tous ces projets que tu as concrétisés ces dernières années, où te vois-tu dans 5 ans ? Question très entrepreneuriale. Ah oui. Dans 5 ans, eh bien, c'est vrai que là, on a déjà... T'as switché quand même de pas mal de choses et puis dans un temps assez court quand même, oui. D'une certaine manière. Oui. J'aurais pu dire 10 ans. Mais oui, non, mais ça rejoint en fait ce qu'on disait par rapport à l'expérience aussi de Londres. On est parti à la source directement. Et puis, on s'est rapidement imprégné de la culture de la mixologie au niveau international. Et on a rencontré les bonnes personnes. Et on a nous permis ensuite aux personnes qu'on a formées de suivre en fait ce processus. Et donc, quelque part, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes. Alors, c'est marrant que tu me poses cette question-là parce que je m'en rappelle comme si c'était hier et en fait, ça fait 10 ans. Y a un diplôme là-bas qui est le champion de France de cocktail, mon premier championnat en France que j'avais remporté pour Angostura, qui est l'essence même du cocktail. Hein, c'est un exhausteur de goût, j'en parle dans mon livre, c'est la définition même du cocktail. Et donc, ce concours a été une étape dans ma carrière parce que quand j'ai accédé à cette récompense et que j'ai représenté la France ensuite au championnat d'Europe en Lituanie, je me suis dit, c'est quoi la suite en fait ? C'est quoi maintenant en fait ? Et ça, c'était il y a 10 ans. Et depuis, il y a eu le championnat du monde, il y a eu des étapes qui ont été concrètes et qui se sont faites naturellement. C'est-à-dire qu'à souvent, à l'issue d'un projet qu'on a concrétisé, sans se poser de questions, derrière, il y a eu des rencontres, il y a eu des opportunités et des choses qu'on a fait, mais toujours dans un sens de transmission et de participer au développement de la culture cocktail. Ça veut dire qu'on a fait des choses pour les barmans et pour l'univers du bar. Donc par rapport au livre, dans 5 ans, j'espère que j'aurai acheté mon atelier. Déjà, ça, c'est un projet qu'on a. Ouais. Et puis, j'ai aussi un autre projet que je suis en train de concrétiser là, qui est lié au CQP Barman, puisque je crée une nouvelle société. Là, pareil, c'est une exclue, mais totale. Je crée une nouvelle société. Il y a beaucoup d'exclus dans cette vidéo. Comment dire ? Je crée une nouvelle société là, qui va s'appeler Bar Community, qui va être en fait un réseau d'élèves du CQP Barman, les anciens élèves, les professeurs, puisqu'en fait j'interviens depuis des années pour présenter mon livre dans ces écoles, mais là on va aller plus loin parce qu'on est en train de construire un format qui va permettre de fédérer les écoles de bar en France et d'avoir enfin un signe de reconnaissance pour ce cursus qui manquait. Et là, la formation arrive à maturité dans ce domaine-là et on souhaite nous accompagner les élèves. Et donc, il y a ce projet qui est en train de naître. Donc, les trois projets majeurs, c'est l'atelier que j'espère un jour acheter. Voilà, donc ça, c'est un projet qu'on a dans 2 ans. Bar Community est en train de naître. Donc ça, c'est un projet qu'on avait, depuis des années. Je cherchais à construire quelque chose autour de mon livre, quelque chose de fort et quelque chose qui va aller au-delà du livre.
et qui restera peut-être que quand moi je serai plus là. Donc ça, c'est ça le bar community en fait. Donc ça déjà, c'est déjà intéressant. Et enfin, Bartenders Online, qui est naissant. On a créé en fait un concours de cocktails professionnel, Esprit Top Chef, mais version barman, qui est tout naissant. On est à la deuxième édition qui a été faite récemment. La troisième arrive bientôt. Et ça, ben, c'est un projet qu'on est en train de développer à l'international. Donc, j'ai envie de dire, dans 5 ans, je me vois toujours formé. Je me vois toujours aussi peut-être faire des présentations de mon livre, mais peut-être ailleurs qu'en France aussi. Alors, voilà, quoi. Nouvelle annonce exclusive. D'ici 5 ans, vous allez avoir Top Barman avec un nouveau Philippe Etchebest. Oui, voilà, donc bah, c'est vrai que l'idée, c'est de construire des choses qui ont du sens. Pendant 10 ans, bien sûr, aujourd'hui, je suis un entrepreneur et puis il y a un business derrière tout ça. Mais en fait, tout ça est né par rapport à beaucoup de travail et de passion et sans jamais penser financièrement. Quand on part à Londres, hein, on part avec son sac à dos et on ne pense pas à combien on va gagner. Mais on pense comment on va apprendre et qu'est-ce qu'on va en tirer. Et tout ça est riche en fait. Et après, les choses, elles viennent au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, les projets qu'on crée ont du sens, génèrent beaucoup d'opportunités autour des personnes qui nous suivent et créent du lien. Et donc, créer du lien, c'est aussi offrir des emplois à certaines personnes, faire le lien entre les barman, les employeurs, etc. Donc, nous, on est plus dans cette dynamique de communauté autour de nos entreprises. Et c'est ça qui est vachement, en fait, intéressant. Donc, de l'autre côté de la rue, il y a des barman qui travaillent la nuit et ça emploie. C'est ça, voilà, exactement. Donc là, vu la période qu'on vit, voilà, il y a du boulot. Et en plus, c'est la fête. Que demander ? Exactement, c'est ça. Une dernière question un petit peu sur ton parcours. Oui. Tu as un mentor, tu en as un petit peu parlé, je pense. Une personne que tu admires et qui t'inspire. Ah, c'est pas évident comme question, mais je vais dire que dans mes débuts, il y a une personne qui m'a vraiment inspiré, qui s'appelle Louis Boeck. J'en parle dans l'introduction de mon livre. Louis Boeck, c'est la personne que j'avais rencontrée à Deauville à la finale internationale qui m'a proposé le poste de formateur à la faculté des métiers. Et donc ce monsieur, pour moi, il m'a inspiré parce qu'il a été, comme je lui ai dit il y a 3 ans lorsque je lui ai dédicacé le livre, un peu comme un père pour moi parce qu'il m'a pris en mention complémentaire barman en 2006, à un moment où ce n'était pas dit que j'allais être pris. Il m'a aussi trouvé mon job. Et ensuite, il m'a amené à Londres. Et quand je suis revenu de Londres, il m'a offert la possibilité de former. Et il ne m'a jamais appris à faire des cocktails. Il ne m'a pas appris les spiritueux. Mais il m'a appris à marcher. Il m'a appris la rigueur. Il m'a appris à parler. Il m'a appris à écrire. Et donc, quelque part, il m'a lancé dans ce métier. Et quelqu'un qui a été vraiment, quand il est parti en retraite, il m'a donné les responsabilités. Et c'est quelqu'un que je vois encore aujourd'hui et qui vient à mon atelier. Et donc, lui, quelque part, c'est un peu mon mentor spirituel, j'ai envie de dire. Et après, pour le métier, Johan Lazarette, qui est toujours un très, très bon ami, qui vit en Suisse. Hein. Il a passé 7 ans à Londres, dans le top de la mixologie, dans ce qui se fait de mieux. Et là, ça fait quelques années qu'il enseigne pour l'école la plus luxueuse au monde, d'Alain Ducasse, à Glion. Et qui, lui, en fait, a été quelqu'un... on a été très complémentaires. On s'est tout de suite, en fait, entendu. Et moi, j'avais soif d'apprendre. Lui, il était posé. Moi, j'avais envie de taper dedans. J'étais vraiment, comment dire... à fond. Et en fait, notre binôme a fait que rapidement, on a fait des compétitions, on en a gagné, on a créé des choses. Et ensemble, on a participé à la renaissance du cocktail, au niveau international, mais aussi en France. Lui est resté à Londres, et moi je suis revenu en France. Et c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance, parce que quand on travaille dans un world class bar, hein, c'est un peu l'étoilé du cocktail, donc on n'arrive pas comme ça dans le bar. Moi, j'ai été pris au bout de mon 3e essai, parce que je ne parlais pas anglais.
mais il m'appréciait, il voyait que j'avais envie d'apprendre, etc., et que j'avais déjà des connaissances. Et donc, au bout du troisième essai, j'ai eu une opportunité, une chance, parce que l'italien bartender, parce qu'en Angleterre, c'est les Italiens et les Français, j'ai eu une chance, c'est qu'il a quitté le bar, et j'ai eu l'opportunité, comment dire, d'être embauché. Il m'a dit, bon, tu fais un dernier essai. Cette fois-ci, si tu parles un peu mieux anglais, c'est bon. Alors qu'en fait, je ne parlais toujours pas anglais. Et donc, j'ai commencé barback. Et donc, pendant 6 mois, j'étais derrière le bar. Et donc, je ne comprenais rien, quoi. Mais j'ai appris vraiment la mixologie très poussée avec lui. Et surtout, j'ai appris l'hospitalité. Johan c'est quelqu'un qui vient de l'hôtellerie de luxe et qui a un cursus hôtelier très reconnu, ouais, dans l'hôtellerie de luxe, Palace, Hôtel, le Forum à l'époque à Paris, la mention Barman, voilà. Et c'est, il m'a appris vraiment la notion du service très poussée, puisqu'on avait beaucoup de célébrités et de stars qui venaient en fait dans nos établissements. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup appris sur la gestuelle du cocktail que j'ai développé à Londres. Et aujourd'hui, on est capable de savoir si la personne elle a travaillé à Londres ou pas, sans lui demander. On sait. Ça ne s'apprend pas. C'est soit on y est passé, on ne peut pas le reproduire de cette manière. Et lui m'a appris ça. Donc, c'est vraiment un mentor pour moi. Si je traduis un petit peu le truc, c'est quelque chose que moi, dans ma culture, que j'aime beaucoup, c'est le maître sushi on dit souvent, c'est 7 ans d'apprentissage juste pour savoir cuire correctement le riz. Et c'est parce que c'est une gestuelle, des étapes bien précises et qui ne peuvent pas s'apprendre juste avec un minutage sur un livre. Oui, oui. C'est en le faisant. Faisant tous les jours, pendant plusieurs années. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et Michael Perron, que je salue au passage, qui est pour moi le meilleur barman français de ces 20 dernières années à Londres. Michael Perron, qui lui m'avait toujours appris, j'en parle dans mon livre, practice, practice and practice again. Et ça, eh ben en fait, c'est la répétition du geste. Et pour un pâtissier ou un cuisinier, quand ça devient naturel, on n'a même plus besoin de compter combien de centilitres vont sortir de la bouteille. Et en fait, c'est ça quelque part. Et Johan, justement, m'a appris ça. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles du Japon parce qu'on était parti loin. On était à une étape à Londres où on se disait, bon, il nous reste quand même une culture du bar à apprendre, la culture japonaise. On va donc passer plutôt à des questions faites pour le rhum, pour des personnes qui sont amateurs, qui n'ont pas forcément le temps de faire 100 cocktails par jour, mais qui veulent quand même se faire des bons petits cocktails. Et pour commencer un petit peu doucement à parler de ça pour les amateurs, je voudrais avoir ton sentiment sur le rhum, et aussi un peu le whisky, dans l'univers du cocktail. Alors, bon, ça c'est intéressant. Effectivement, le rhum est très présent depuis quelques années dans les cocktails. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est vraiment pendant la période de la prohibition aux États-Unis que en fait on a eu la naissance du rhum cubain et donc des cocktails cubains qu'on connaît, les daiquiri, les mojitos, Cuba Libre et autres Presidente. Et donc dédicace à Hemingway, hein. Bah, oui. Le plus grand consommateur de cocktails de tous les temps. Et puis c'est vrai que là, bon, le rhum est très présent dans les cocktails. Mais c'est parce que c'est la période qui veut ça, où il est actuellement populaire. Alors, le gin aussi l'est très. Le gin est vraiment beaucoup utilisé dans les cocktails. Et historiquement, on avait les brandies, le gin, surtout brandy et gin. Et après, pendant la crise du phylloxéra, justement, aux États-Unis dans les années 1870, on a eu le cognac qui ne pouvait plus être consommé, à cause de cette crise, et on a eu l'apparition du rye whiskey et du bourbon, donc les whiskies américains, qui sont entrés dans les compositions des cocktails. Et donc les premiers cocktails à base des whiskies, les classiques qu'on connaît, des old fashioned ou des Manhattan, sont nés pendant cette période-là, ont été popularisés. Et puis après, pendant la prohibition aux États-Unis, c'est la naissance du rhum à Cuba, puisque forcément les Américains viennent déguster les cocktails à Cuba. Et puis c'est vrai que là, depuis quelques années, on a eu fin des années 90, début 2000, l'apparition du gin et de la vodka haut de gamme.
Donc la renaissance du cocktail est passée par là. Et depuis, comment dire, quelques années, on est sur le rhum. Et donc, bien évidemment, en France, on a une tradition. C'est le rhum des Antilles, qui n'a pas d'héritage en mixologie, contrairement au rhum de tradition anglaise ou hispanique. Et donc, forcément, pour choisir le bon rhum pour le cocktail, ce qui est intéressant dans mon livre, c'est que c'est fait sous forme de leçons. Et donc, on a souvent des recettes qui sont similaires, avec des techniques qui se ressemblent, mais le cocktail ne va pas du tout avoir le même goût. Et donc, bien souvent, on a du rhum cubain ou du rhum jamaïcain. Donc, j'ai envie de dire, rhum cubain, c'est la base de la base. Après, quand on veut aller un peu plus loin, rhum jamaïcain. Et après, pour le rhum de tradition française, là, on est dans la création. Là, c'est parce qu'on est un amateur et qu'on veut vraiment, qu'on aime bien le rhum agricole et que là, qu'on veut aller plus loin. Et là, on va vraiment créer des cocktails parce que bah, il est très puissant, il est très floral, très végétal, complètement différent avec le rhum cubain, le rhum jamaïcain. J'avais fait une dégustation justement j'avais fait trois mojitos différents. Ah, oui. Avec donc un cubain, un agricole, et je l'avais fait aussi avec des framboises. À la place de la menthe, il me semble, et ça donne des cocktails totalement différents, effectivement. Et c'est vrai que bah, avec l'agricole, ouais. Même si la puissance est assez équivalente, mmh. on sent que le rhum est différent. Oui, totalement. Et je pense que le meilleur exemple, vous pourrez le voir sur mon livre, c'est le daiquiri. Pour moi, le rhum suc citron, c'est vraiment la base. Et pour moi, l'expression du rhum cubain, c'est le daiquiri. En fait, c'est, je pense, un de mes cocktails préférés. Et le bien aussi. Voilà. Quand je fais un daiquiri, eh ben en fait, ce goût qui en ressort est, comment dire, fantastique, vraiment. Je fais quasiment tous mes tests de rhum en cocktail avec le daiquiri. Et c'est ça qui est intéressant parce que je vois déjà dans le livre, il me semble, alors je n'ai pas compté, mais je crois que j'ai quasiment 10 suggestions. Et c'est une particularité dans le livre, c'est qu'on a des suggestions pour les professionnels, mais pour les amateurs, tous les produits sont accessibles, on peut les trouver. Et l'idée, ce n'était pas d'en mettre plein la vue, ce n'était pas d'avoir des jolies photos. Je suis entièrement d'accord avec ça, puisque pour faire mes tests, dont certains que j'ai fait à des endroits, que je voyageais pas mal, il y a trois cocktails que j'ai testés lors des vacances que j'avais passées dans les Alpes. J'ai trouvé tous les produits très facilement dans des petites boutiques. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui était intéressant. Et je vois sur le daiquiri, bah, je propose un certain nombre de rhums, même un rhum qu'on trouve assez rarement, mais qu'on peut trouver, c'est l'embargo blanc, qui a une particularité où en fait on a un assemblage des différents terroirs que j'évoquais, dont l'agricole. Et donc c'est pour montrer que sur le daiquiri, je pense que c'est le cocktail qui peut vraiment faire découvrir le rhum, enfin une multitude de rhums, plus qu'un autre. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Question suivante que j'ai abordée dans deux de mes articles et qui n'est pas forcément évidente, mais qui est, je pense, à la base de la confection d'un cocktail, c'est la règle des 3 S. Donc le strange, le sweet et le sour, et qui n'est pas forcément évidente, surtout pour l'équilibre. Bah, c'est un équilibre. Alors, ça c'est vraiment très intéressant. En fait, la règle des 3 S, donc sweet, sour, strong, en fait, on a d'abord, comme j'explique dans le livre, on a strong, la partie puissante, l'alcool, la colonne vertébrale, la force. Exemple, un rhum ou un whisky. Ensuite, on va avoir la partie sweet, apportée par un sirop ou une liqueur ou un apéritif à base de vin. Exemple, du triple sec. Et ensuite, on va avoir pour la partie sour, l'acidité souvent apportée par un agrume ou par une amertume, comme le Campari ou comme l'apérol. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous prenez, comme je l'explique justement dans mon livre, vous avez la roue du Cointreau. Un spiritueux, du Cointreau, du citron. Et donc, vous prenez Margarita, Tequila, Cointreau, citron. Vous prenez White Lady, Gin, Cointreau, citron. XYZ, rhum, Cointreau, citron. Balalaika, vodka, Cointreau, citron. Et en fait, on a la règle des 3 S. Ça veut dire deux parts de strong, une part de sweet et une part de sour. Ça veut dire, exemple, 4 centilitres d'un alcool, 2 centilitres d'une partie sucrante et 2 centilitres d'une partie acidulée. Et là,
même si on n'appréciera peut-être pas le cocktail, il sera toujours équilibré. Et vu qu'un bon cocktail n'est jamais trop sucré, jamais trop acidulé, jamais trop fort, ça doit être l'équilibre parfait entre ces trois aspects avec cette règle. Et suivant cette règle, le daiquiri, sucre, citron, rhum. Rhum cubain ou rhum. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a dans le Negroni, par exemple, prenons le Manhattan, puisqu'on est sur le whisky. Rye whiskey, on a la puissance. Vermouth sweet, on a la douceur. Angostura bitter, on a l'amertume. Et donc, en fait, dans tous les grands classiques, on retrouve en fait cette règle. Et cette règle s'applique aussi pour le champagne, pour le cidre, qui va être au cœur du drinks. Et après, on a une partie sweet, une partie sour. Et donc, c'est ça qui va, même dans un cocktail sans alcool, j'ai cette philosophie. Ce qui me permet d'avoir des cocktails sans alcool qui sont du livre, vraiment délicieux. Quoi, et comment tu l'apportes, le strong, dans un cocktail sans alcool ? On l'apporte en fait toujours avec l'ingrédient qu'on veut mettre en avant. Et bien souvent, ça va être le mixeur, donc un tonic, un ginger ale, un ginger beer, ou un jus de pomme bio et local, ou un jus d'ananas, par exemple. Là, on va être sur le strong. Et ensuite, on a justement une herbe aromatique. Et puis, il y aura toujours le sweet and sour. On va avoir du pamplemousse, on va avoir un sirop d'hibiscus, on va avoir peut-être un peu de romarin. Et puis en fait, ensuite, l'Apple Mojito, c'est le bon exemple, un de mes best-sellers, mon best-seller. Il est présent sur pas mal de cartes de cocktails. Menthe fraîche, sirop de fleur de sureau, jus de citron vert, le tout écrasé. On ajoute de la glace et jus de pomme local bio. C'est fantastique. Et là, on a le jus de pomme qui vient justement, qui est vraiment la base du cocktail. Et puis après, toute la mixture un petit peu aromatique avec la menthe. Donc ça, c'est une règle qu'il faut suivre et que j'explique vraiment dans les familles de cocktails, sur les sours, etc. Enfin, c'est voilà. Alors, comment fais-tu pour bien estimer ce qui va plaire à un client ? Je te demande ça parce que j'ai des goûts particuliers, je l'explique dans pas mal de vidéos. Je sais que ce que moi j'aime en cocktail, ça ne plaît pas à tout le monde. Oui. Comment tu fais quand tu es devant ton bar et te dis « celui-là, il va falloir que je lui fasse son cocktail comme ça ?» Ça, c'est une question que j'adore et que je trouve très intéressante. On parlait d'hospitalité tout à l'heure, mais c'est aussi la culture. Et la culture d'un bon barman, c'est d'abord de connaître le monde, de connaître les historiques des cocktails et de connaître les différentes bases des familles de cocktails. Et donc, la règle des 3S et les sweet and sour, etc. Et c'est déjà en fait de demander au client quels sont ses goûts et surtout quel est peut-être son alcool préféré. Et ça, j'en parle souvent dans le livre. Choisissez votre spiritueux favori. Pour une base de cocktail. Et ça, c'est le premier ouvrage qui en parle. Moi, c'est Amden. Hein. Voilà, Rum Fire. et ça, c'est intéressant. Donc déjà, c'est d'avoir en fait l'approche du client et d'aller dans le sens du client. On n'est pas là pour faire un cocktail que nous, on aime, mais on est là pour faire plaisir justement au client. Donc déjà, c'est de connaître ses goûts et de connaître son alcool préféré ou son cocktail préféré. Et ensuite, une fois qu'on a ces informations-là, si c'est par exemple le Mojito, le Daiquiri ou le Spritz, c'est de dire comment vous l'appréciez ce cocktail. Est-ce que vous l'aimez plus ou moins sucré, plus ou moins acidulé, etc. Et de proposer aussi des alternatives entre guillemets. Mais moi, ce que j'aime, c'est le bon cocktail classique. Quand c'est bien fait, il n'y a rien de mieux. Et donc, quelque part, pour moi, une signature, c'est aussi savoir faire un bon cocktail classique. Parce qu'on va avoir quelque chose de différent sur le verre, sur la glace, sur la température de service, sur le chèque, sur la gestuelle. Donc tout ce qu'on a parlé, en fait, revient. Et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, la signature d'un barman, c'est pas son cocktail création, c'est son approche du cocktail classique. Et c'est ce qui va le distinguer. Et c'est pour ça que le client va revenir. Parce qu'ici, le Mojito est comme nulle part. Ou le Daiquiri, ou le Negroni. Et donc, moi, je suis plutôt le barman qui va vraiment prendre soin du client et demander comment il l'apprécie. Et ensuite, je lui fais le meilleur Mojito ou le meilleur Daiquiri, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment… C'est étonnant ce que tu me dis parce que ça rejoint énormément une expérience que j'ai eue dans un bar-hôtel. D'accord. Je bossais et tout, et puis j'ai eu envie de me rafraîchir.
Je vais voir le barman, je lui demande un cocktail. Ouais. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui fais, je sais pas, étonnez-moi. Et il m'a fait un truc vraiment super sympa, avec une belle petite confection, un étalage de différents ingrédients dans le cocktail et tout. Équilibré, rafraîchissant, well balanced, équilibré, c'est ça qui est important. Bien souvent aussi, quand on a des cartes de cocktail éphémères sur 3 ou 4 cocktails, et puis que on a des clients qui ont été là pendant tout l'événement, puis à la fin ils te disent voilà, make your twist quoi, fais ton cocktail à toi, c'est quoi ton cocktail à toi, fais-toi plaisir, régale-toi. Moi souvent quand c'est comme ça, c'est partir aussi des fois d'une technique et d'une approche un peu différente pour surprendre le client, mais toujours avec des ingrédients communs. Ce qui est un peu, j'ai envie de dire, ma marque de fabrique. Et c'est ce que j'explique aussi dans le livre. Travailler des produits qu'on a sous les yeux, mais qu'on ne pense pas en fait à utiliser, en cocktail. Je suis fanat de cocktails à base de rhum anglais. Oui. Est-ce qu'il y a des différences entre la France et l'Angleterre en matière de cocktail? Oui, déjà, il y a une tradition qui est différente puisqu'on a les îles anglo-saxonnes, la Barbade, la Jamaïque, Sainte-Lucie, notamment, qui en fait sont traditionnellement très très populaires en Angleterre. On a le festival, le carnaval de Notting Hill. J'ai travaillé à Notting Hill. Et en fait, c'est un événement qui est dingue. Et donc là, forcément, c'est le rhum jamaïcain à Londres. Il y a énormément de culture, cocktail à Londres par rapport en fait au rhum jamaïcain, principalement. Sorry. Rhum jamaïcain, un peu le rhum de Barbade. Aussi, et puis surtout le rhum de la Trinité, Trinidad et Tobago, l'Angostura, très très présent. Et donc, il y a une culture du cocktail à Londres qui est vraiment basée sur le rhum anglais. Donc, on a beaucoup de cocktails autour du rhum anglais. D'ailleurs, dans l'histoire du cocktail, beaucoup sont créés avec du rhum anglais. Les Mai Tai, les zombies, il y a eu aussi pas mal de... Le treacle aussi, qu'on va voir aussi un petit peu... Pardon, un petit peu après. Et du coup, finalement, ce qui est drôle et fou, c'est qu'on n'a pas de rhum français à Londres. Pour trouver un rhum agricole à Londres, alors maintenant, peut-être un petit peu, c'est voilà, on a les rhums cubains, les rhums hispaniques. Donc en fait, à Londres. C'est compliqué. J'y suis allé il y a deux ans. Ouais, deux ans. Ouais. Pas trouvé. Il y avait de très bons. Non, mais c'est ça. Alors c'est pour ça, en fait, il faut aller dans les caves à rhum. Mais en fait, il y a eu Cuba pendant la Prohibition, il y a eu Londres pendant la Prohibition, et donc la démocratisation du cocktail se fait à Londres avec des rhums hispaniques et des rhums anglais. Donc l'histoire du cocktail et Londres et le rhum anglais est vraiment très liée, que ça soit par la Royal Navy, que ça soit par Harry Craddock, cet Américain qui est venu à Londres pendant les années 20, apporter la culture du cocktail américaine et qui est le plus grand barman depuis. Il y a eu Dick Bradsell aussi. Et donc, c'est très différent. La culture cocktail à Londres est ancrée depuis les années 1930. En France, on est sur la culture de la gastronomie. Oui. Et on a moins cette culture du cocktail, mais elle est vraiment apparente depuis 10 ans. Et pas sur le rhum français, non, sur le rhum anglais et hispanique. Surtout hispanique. Oui, mais ça a commencé par vraiment le rhum hispanique. Et là, maintenant, on a quand même un peu plus de rhum anglais. Et donc, tu vois, la culture anglo-saxonne, la culture du cocktail, est arrivée en France il y a à peu près 10 ans. Et ce sont sur des rhums issus de ces terroirs. Et donc, forcément, y a une vraie différence entre l'Angleterre et la France, par rapport à ça. Et si parmi les amateurs qui me suivent, il y en a qui se tâtent à devenir barman, quel conseil leur donnerais-tu? De se former.
De se former, ça c'est important, effectivement, la formation, c'est déjà de pouvoir se rapprocher peut-être, selon la ville où vous êtes, du bar à cocktail de référence, voilà, pour déjà pouvoir peut-être s'initier, apprendre auprès de professionnels. Et puis ça, c'est vraiment la base, c'est se rapprocher quelque part d'un mentor. Ça peut être un établissement, ça peut être une formation reconnue, ça peut être un bar, pardon, ça peut être le voyage. C'est facile, est-ce que c'est un métier qu'on peut facilement accéder, enfin, je me dis par exemple, j'en ai marre de ce que je fais en tant que salarié, j'ai envie de passer à autre chose, je vais dans le bar du coin et je demande à bosser. Bah, écoutez, j'ai envie de dire qu'un bon barman, c'est d'abord un bon serveur, donc il faut aimer la culture, il faut aimer les gens, et c'est avant toute chose, c'est ça. Et puis après, effectivement, comme dans tout métier, y a un certain nombre de connaissances à avoir, mais on peut... ça dépend. Si on veut faire vraiment bartender, là, c'est plutôt d'aller dans des établissements qui font des cocktails, aller dans des salons professionnels, se renseigner tout de suite quelles sont les personnes référentes pour pouvoir former dans votre région. Hein, aujourd'hui, en France, on est bien lotis, hein, à Paris, à Lyon, à Montpellier, à Rennes, à Bordeaux, à Marseille. Vraiment, il y a des établissements qui sont reconnus pour apporter des formations, une initiation dans cet univers et pouvoir en fait commencer ainsi après à pouvoir se projeter. Mais bien souvent, les gens qui le font sont passionnés. Je pense que ce genre de métier… Rapidement, il y a des reconversions et je pense que là, on vit une période assez compliquée. On en a, je pense, encore pendant un an ou deux ans. On manque cruellement de personnel, c'est vraiment fou. Et… voilà, c'est un métier de bouche, mais c'est aussi un métier d'hospitalité. Et je pense qu'on va retrouver rapidement des personnes qui vont vouloir justement se former. Mais c'est bien, bien s'entourer, être bien accompagné, faire une formation qualifiante ou s'initier auprès de personnes qui vraiment vont pouvoir ensuite vous rediriger et vous apporter des opportunités. Merci pour ce partage. Merci à toi, Régis. Super moment. J'en avais déjà beaucoup appris avec ton livre. J'en ai encore beaucoup appris aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup appris de cette interview. Va y avoir d'autres petites choses qui vont arriver par la suite. On va voir ça dans les jours prochains. Salut les épicuriens. Salut à vous.